On se retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu de sa créatrice hein, par le biais des éditions Très Daniel pour pouvoir le partager avec vous. C'est un jeu qui sort le 1er juin. Il s'agit de La Voix de la connaissance intérieure, les cartes des archétypes de Sandrine Maréchal et qui a été illustré par Mathilde Ricole. Voilà, donc il va sortir euh, bah, cette semaine, du coup, quand vous verrez cette vidéo. Voilà, donc il arrive dans un beau coffret comme ceci. Euh, le nom de Sandrine euh, Maréchal vous dit peut-être quelque chose parce qu'elle nous avait déjà créé euh, l'écart le, de la voie de la découverte intérieure, l'écart d'ombre et de lumière que, bon, je vais peut-être vous les montrer vite fait. Je ne vous l'avais pas présenté sur ma chaîne, mais tout simplement parce que ben, quand il est sorti, ma chaîne n'existait pas encore. Euh, donc, je l'avais présenté sur Instagram. Voilà, et c'est un livre... Enfin, un jeu plutôt très intéressant euh, pour travailler sur ces ses parts d'ombre et de lumière. Et ce qui est chouette, c'est que dans, son, dans le nouvel Oracle avec le coffret euh, rouge, je les remis dans l'or pour vous les montrer, c'est même un jeu euh, qu'on pouvait colorier si jamais on en avait envie. Voilà. Je vous montre quelques illustrations. Hein. On peut, euh, elle, elle propose un tirage où on utilise les deux jeux en même temps, où on pioche une carte dans le rouge et une carte dans le bleu. Euh, et je trouve ça chouette de pouvoir les faire travailler ensemble. Voilà, il y avait des petites cartes comme ceci. Franchement, il est très très joli. Le dos était comme ceci, hein, une fleur de vie avec des petits points dorés et des rayons. Hein. Vous verrez que dans le rouge, bah, c'est le même, euh, le même euh, motif de fleur de vie. Il n'y a pas les petits points, mais on a aussi les rayons et le dos est rouge. Voilà. Donc ça, c'est pour celui-ci. Du coup, je vous montre quelques cartes vu que je ne vous l'avais pas présenté. Hein. Tout ce qui était acheté avant ma chaîne, évidemment, je ne vous ai pas présenté. Voilà, et celui-ci aussi, je trouvais la boîte très, très jolie. Hein. Voilà, donc on peut très bien tirer une carte dans celui-ci et une carte dans celui-là. Voilà. Alors, on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Un magnifique voyage intérieur. Êtes-vous prêt à partir à la découverte de vous-même Nous avons tous en nous plusieurs facettes qui s'expriment au quotidien. Mais nous n'en sommes pas toujours conscients. Grâce à la richesse des archétypes, Sandrine Maréchal vous invite à prendre du recul sur vos émotions et à mieux vous connaître. En tirant les cartes de ce coffret, vous apprendrez à décrypter vos réactions et comprendre vos mécanismes inconscients. « Véritable outil de connaissance de soi, ce coffret vous propose un voyage intérieur riche et profond à la rencontre de votre âme. » Sandrine Maréchal est énergéticienne et formatrice. Elle a créé la méthode AIME, accompagnement intuitif par la méditation et l'énergétique. Elle est également l'auteur de « La voie de la découverte intérieure » que je viens de vous montrer. Et Mathilde Ricole, elle est illustratrice, magnétiseuse et médium. Donc, dans ce coffret, on a 52 cartes, un livre de 288 pages tout en couleur, et un sac satiné pour protéger vos cartes. Et il est prix de 26 euros. Vous allez voir que le livre est hyper riche. L'intérieur est comme ceci. On a le pochon dans les tons oh oui, jaunes, doré, euh, avec les cartes. Et le fond de la boîte est comme ceci. Je vais la mettre sur le côté et on retrouve le gaïbou qui est juste énorme. Voilà. Du coup, on va le regarder ensemble. Et il est tout en couleur, ça c'est super chouette. Donc, on a le sommaire avec une présentation, un mot sur les archétypes, les tirages, comment travailler avec les cartes. Et puis, on a les explications des cartes, qui sommes-nous et les remerciements. Alors, ici, on a une présentation. Euh, ici elle explique hein, que certains d'entre vous ont déjà commencé ce voyage avec moi par le biais de formations, d'ateliers, de séances de soins individuels ou de premier volet de la voie de la découverte intérieure, l'écart d'ombre et de lumière. Je vous invite à travers ce coffret à commencer ou à poursuivre ce voyage vers la plus joyeuse découverte qui soit, la découverte de qui vous êtes vraiment. Voilà. Toutes ces facettes qui composent notre personnalité unique et complexe peuvent être explorées de bien des façons. En explorant nos émotions et ressentis, nos parts d'ombre et de lumière, ou par le biais du travail sur nos archétypes. Ce travail nous amène à décortiquer notre personnalité en sous-personnalité et à passer par l'intermédiaire d'images archétypales afin de prendre du recul sur ce qu'elle implique. Dans notre vie, en termes de réactions instinctives, mode de fonctionnement et schémas et schéma inconscient. Ces cartes sont destinées à vous accompagner dans l'exploration de certaines de ces sous-personnalités, afin de vous permettre de découvrir qui vous êtes vraiment. Donc, ce coffret contient 52 cartes représentant chacune un archétype différent dans sa part d'ombre et dans sa part de lumière. Chaque carte est illustrée d'une image représentant les deux facettes ombre et lumière de chaque archétype. Vous allez voir, c'est super original, ça, on peut les lire à l'endroit ou à l'envers dans le côté ombre ou lumière. Dans ce livre, vous trouverez des explications de ces deux facettes et une histoire pour chacune d'entre elles. Elles vous aideront à entrer en contact avec ce personnage qui vient vous éclairer sur une facette de votre personnalité. Ce coffret est particulier, ce n'est pas un outil de divination, mais un véritable outil de développement personnel. Les cartes sont vraiment là pour vous accompagner en profondeur dans votre exploration. Alors, un petit mot sur les archétypes. Hein. Euh, évidemment, on nous parle de Carl Gustav Jung. Nos archétypes sont comme euh, différentes facettes de notre personnalité qui se montrent selon les moments, les expériences que nous traversons, les personnes que nous rencontrons. Nous les avons mis en place inconsciemment au fil du temps, au gré des expériences et des rencontres primordiales de notre vie. Donc chaque archétype possède une part d'ombre et une part de lumière. Il faut donc garder à l'esprit que l'énergie de base de tous les archétypes est neutre, malgré leur nom. Le fait qu'ils soient dans l'ombre ou la lumière ne dépend que de nous, de notre manière de prendre conscience de leur existence et de la manière dont nous allons utiliser leur potentiel. Donc la part d'ombre nous montrera les parties que nous avons refoulées au plus profond de nous-mêmes. Elle se trouve dans notre inconscient et le plus souvent, elle émerge de manière inattendue et destructrice où elle nous empêche d'avoir accès à certains de nos potentiels. Tandis que la barre de lumière nous montre notre potentiel le plus élevé et nous permet de vivre depuis un espace de gentillesse, d'intégrité et de puissance. Elle nous permet aussi de nous connaître en profondeur si nous accueillons chaque facette de nous-mêmes pour ce qu'elle est sans la juger. Nous sommes plus à même d'être indulgents, doux et aimants avec nous-mêmes. Transcender nos parts d'ombre pour les mettre en lumière, puis les accueillir, nous permet de nous accepter et de nous aimer tels que nous sommes vraiment. Voilà. Alors il y a deux cartes joker aussi dans ce coffret, la carte 51 qui s'appelle le jardinier qui est un personnage symbolique qui représente le travail sur soi et notre attitude face à la vie et la carte 52 l'archétype mystère, il peut représenter n'importe quel personnage qui se trouve dans le jeu mais dont vous avez besoin de prendre conscience. Voilà. Donc le tirage Bon, ici elle explique hein, qu'avant la première utilisation il est important d'imprimer les cartes de votre énergie. Pour le tirage il est important de choisir un moment ou un endroit calme ici ce sont du coup euh, des, petites, euh, des petits conseils voilà. Les cartes ont deux sens de lecture elles n'ont ni haut ni bas mais représentent chacune un côté ombre et un côté lumière. Il peut donc être intéressant d'étaler les cartes sur la table, dos vers le haut, et de les faire tourner avec vos mains dans le sens des aiguilles d'une montre, puis à l'inverse, afin qu'elles soient bien mélangées. Vous voyez, vous les mettez alors vous les mélangez un peu n'importe comment, avant de les rassembler en paquet sans prendre garde au sens des cartes. Alors, elle explique qu'il y a plusieurs méthodes de tirage qui sont possibles. Soit de vous les étaler sur la table et laissez vos doigts effleurer la surface du dos jusqu'à ce que vous sentiez attiré par l'une d'elles. Moi, c'est ce que je fais le plus souvent. Soit de vous couper le paquet et prenez la carte qui apparaît sous la coupe. Soit de vous les tenez en éventail dans une de vos mains et laissez vos doigts effleurer les cartes jusqu'à ce qu'elles se sentent attirées par l'une d'entre elles. Soit de vous les mélanger et vous attendez qu'il y a une carte qui saute. Ça, j'aime bien aussi moi ou n'importe quelle autre technique qui vous inspire. Alors, elle nous parle du tirage en une seule carte. Donc là, elle nous dit un hein, mélanger, euh, prendre le temps de ressentir quelle carte est là pour vous. La carte choisie vous accompagnera pendant plusieurs jours. L'exploration de cette facette peut demander un peu de temps. Le jeu vous amènera parfois à travailler plusieurs fois sur la même carte si l'univers estime que vous avez encore des choses à comprendre, à découvrir de cet aspect. Vous avez le tirage en deux cartes du même coffret. Là, vous en tirez deux. Euh, la première vous permettra de comprendre la source du problème et la seconde vous mettra sur la voie de ce que vous devez accueillir pour guérir la situation. Puis on a le fameux tirage en deux cartes avec la voie de la découverte intérieure, donc le coffret bleu avec le phénix. Et là, elle nous dit de tirer une carte dans chaque jeu. Ce tirage vous amène à aller plus finement à la découverte de ce que cet archétype peut vous révéler en vous montrant sur quelle part d'ombre ou quelle émotion vous pouvez travailler en parallèle. Ceci vous aidera à aller encore plus loin et plus profondément à la découverte de vous-même. Et soyez créatif. Ensuite, travaillez avec les cartes. Euh, ici, euh, elle nous explique, hein, bon, pour ceux qui ont déjà euh, travaillé avec la voie de la découverte intérieure, vous serez familier des conseils qui suivent, elle dit, une fois que vous avez effectué votre tirage, prenez le temps de vous laisser imprégner du dessin et non, et pas du nom des cartes. Prêtez attention au sens de la carte, ombre ou lumière en haut, puis reportez-vous au livre afin de prendre connaissance des explications. Si vous avez le premier jeu, vous pouvez aussi vous reporter aux pages du livre qui contiennent des informations liées aux émotions et aux états d'esprit mentionnés dans les explications des cartes, des archétypes, etc. Donc, vous voyez, euh, c'est chouette parce qu'on peut utiliser les deux et ça, c'est vraiment génial. Donc, que vous inspire l'image et l'histoire qu'elle vous raconte Donc, on a la carte. Chaque carte comporte deux sens, comme je vous l'ai dit, de lecture. Le personnage dans sa part d'ombre et dans sa part de lumière. Et au centre, on va retrouver un symbole en noir et blanc qui représente cet aspect sous une forme plus symbolique. Le dos des cartes est neutre dans son sens de lecture, donc on peut très bien faire endroit en vert. Ce qui est fait euh, que l'on ne peut pas savoir à l'avance quel côté de carte on va sortir. L'image. On nous dit d'observer le dessin et le contraste entre l'ombre et lumière et le symbole au centre. Quelles sont les premières sensations que cela fait remonter en vous Les premières pensées, les premières émotions. Ces images vous amènent-elles à voir d'autres images intérieures Fait-elle appel à des souvenirs, à d'autres symboles Puis le texte. Pour chaque archétype, vous trouverez une brève présentation de celui-ci sous le titre de la carte. Puis deux parties différentes pour la part d'ombre et la part de lumière qui contiennent chacune une explication, une histoire de cette facette, vient vous raconter et une conclusion. Puis l'exploration personnelle, ben là, après, vous êtes imprégné de tout ceci. Fermez les yeux, essayez d'associer les explications, l'histoire et l'image. Écoutez, ressentez, observez les sensations, les associations d'idées, les pensées, les images, les symboles, les souvenirs, tout ce qui remonte à votre conscience peut avoir du sens. Alors notez-le aussi. Voilà. Alors, moi et les autres, votre corps réagit. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon. Faire une bulle de lumière avec les mains, pourquoi et comment. Voilà, et pour les thérapeutes. Voilà, euh, les thérapeutes peuvent utiliser les cartes comme un support dans une séance. Et ensuite, on passe à l'explication des cartes. On retrouve le numéro de la carte avec son nom, une petite explication. Puis on a dans sa part d'ombre, puis on a la fameuse histoire Je suis l'ombre de ben, l'alchimiste ici. Et puis, on a dans sa part de lumière et l'histoire euh, de le Je suis la lumière de l'alchimie. Vous voyez, on a ça pour toutes les cartes. Donc, il y a beaucoup d'informations. Hein. Il est très, très riche euh, en informations. Puis, ici, on a la fameuse carte mystère. Et ici, on a la fameuse carte. Enfin, vous la verrez. Hein. Je vous la montrerai après du jardinier. Voilà. Alors, on va aller au bout ici. Qui sommes-nous Un petit mot sur euh, Sandrine Maréchal, l'auteur. Voilà. Avec son site internet. Euh, et un petit mot sur l'illustratrice avec son Instagram. Un petit mot sur le jeu et pour aller plus loin. Voilà. Les remerciements hein, qu'on retrouve souvent dans les guidebooks. Et voilà. Pour le guidebook, donc vous aurez compris qu'il est très très riche. Hein. Et euh, bah, du coup, on aura déjà passé euh, 14 minutes pour les explications, mais comme c'est un oracle bah, très riche et il faut quand même comprendre euh, la façon euh, dans, dont on l'utilise, j'étais obligée de vous lire un petit peu plus. Voilà, on tire une carte à la fin, comme ça vous aurez euh, bah, une, une idée euh, des messages qu'il vous apporte. Voilà. Donc, ben si on a encore les petits points, mais ils ne sont plus en, en vernis sélectif brillant. Mais le modèle est le même. Voilà. Et donc, vous voyez, on peut très bien en vert, en droit. Il y a zéro souci, on ne voit pas la différence. Les tranches sont dorées. Je vais attraper mon tarot pour vous montrer euh, une carte. Ce sont des grandes cartes oracles, là. surtout par rapport à, à une carte de tarot. Voilà, vous voyez, elles sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus larges. Elles ont un fini euh, mat, très agréable hein, d'ailleurs, et la qualité est très bonne. Voilà, j'ai rien oublié. Donc, on a l'illustration ici et on a l'illustration ici. Voilà, en euh, lumière et ombre. Et ici, on a le fameux symbole en noir et blanc qui représente ben, à chaque fois hein, le côté lumière. Ici, on a le soleil. Et ici, le côté ombre. On a plutôt la lune. Et on a ici la première qui est l'alchimiste. Et c'est chouette parce que du coup, c'est divisé en deux parties. Donc voilà, ça dépend dans quel sens on la sort. Et on peut comparer les deux illustrations aussi. Donc, on a l'amoureux, l'artiste et les illustrations sont très très jolies. On voit bien, hein, lumière et ombre ici, tout est fané. L'athlète. Le bourreau. Bon, ici, on voit plutôt la paix, elle lâche la colombe. Tandis que de ce côté-ci, ben, il va trancher la tête à quelqu'un. Hein. Le caméléon ici est très joli, hein, avec ce petit caméléon ici en noir et blanc. Le chaman magnifique, on retrouve ici, regardez, le cerf. Je vais quand même vous le montrer dans l'autre sens. Pas toutes, sinon ça va durer longtemps. Mais voilà, le chercheur. Si on en voit avec son microscope, bon, je vais quand même vous la montrer dans ce sens-là. Le chevalier avec ce dragon ici chinois. On voit tout de suite qu'ici, il a l'air moins sympa. Hein? Le clown. Ici, et ici, on a plutôt le côté Pierrot qui fait plutôt penser, ouais, à la tristesse. On le voit sur le masque. Hein. Le Pierrot, en général, il a toujours une petite larme au coin de l'œil. Le conseiller. Ici, on a l'ange avec l'auréole, et là, on a l'aile avec la queue fourchue du du diable. Ici, on a la, la, plutôt euh, l'impression qu'on donne un bon conseil. Hein. Ici, on a plutôt l'impression, euh, avec le pantin justement, bah, qu'on se fait un peu manipuler. On suit pas trop notre voix à nous le compteur voilà vous voyez les images moi je les trouve très belles hein. le dépendant ici on a les menottes ouvertes hein. on a plutôt l'impression qu'il est hein. et ici euh, bah, il est menotté hein. il est vraiment dépendant de ce qu'il fait ça peut être on voit hein, le jeu la boisson ici on aurait peut-être plus tendance euh, à dire qu'il se libère, il sort de sa dépendance. Et je lis celle-là avec l'hérisson. L'écologiste. On a un petit hérisson ici avec des fleurs et de l'autre côté il est en boule. J'aime beaucoup ce jeu et je le trouve très riche. L'enfant divin. Très belle illustration aussi. L'enfant intérieur. Et on voit que ça a été dessiné à la main. L'enseignant. Je vous montre. Là. Et là. L'étudiant. Ici on voit, on est diplômé. Et là, il a l'air bah, d'être un peu angoissé à l'idée d'étudier pour ses examens, justement. L'éveillé. L'excentrique. J'aime <laughs> bien. Les lunettes, là, les lunettes avec des étoiles. Et ici, euh, avec des pics, un, un côté punk. Oui, oui, ça y est, elle s'en va et je vous la montre. Remise des diplômes. L'explorateur. Hum, Celle-ci, elle est L'extraterrestre avec euh, ici un extraterrestre. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, ben, on a le côté plus ombre. Le guérisseur. Le guerrier. Le guetteur, avec des jumelles. Le joueur. Le juge. Moi, bon, ici, euh, le juge, c'est quand on se juge soi-même dans le miroir. Hein, et là, bon, c'est le juge. Le juge, hein, quand on est jugé par quelqu'un d'autre. La mère. Si on a la mère euh, qui tient ses petits, ses bébés, la mère fort maternelle. Et ici, on a plutôt l'impression de la mer froide et distante. Bon, ce sais pas pour... Parce que moi, c'est mon premier ressenti. Hein. Ce pas pour ça que c'est ça que ça veut dire dans le livre, évidemment. Le messager avec le, la colombe de la paix ici. Et ici, bon, le corbeau et le crâne qui sont plutôt symbolisme. En général, de mauvaises nouvelles. Hein. Et ici, c'est écrit d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Message important. Je vais essayer de faire son focus. Voilà une personne va envoyer va envoyer de vous adresser, faites attention au corbeau. La personne va essayer de vous Oui, bon. J'arrive pas bien à lire mais voilà et celle-ci elle est magnifique avec le monstre à intérieur. Regardez, si je veux bien refaire son focus le vilain. Elle est trop jolie. L Illustration. L'organisateur. Ici, on a une montre gousset pour le temps. Ici, on a plutôt un, un chronomètre. L'orphelin. Oh, ici, on a clairement le livre de la jungle hein, avec Mowgli. Elle est trop jolie. Et là, ben, on, a, on a plutôt ici, du coup, celui qui a su s'adapter, hein, prendre la main tendue. Et ici, ben, celui malheureusement qui est tout seul, tout seul. Le père, de nouveau, on retrouve l'idée euh, du papa qui s'implique hein, et euh, bah, du papa froid et distant qui n'est peut-être pas toujours là. Le perfectionnisme. Ouais, ici, on voit celui qui, qui trie par euh, sorte de livre et celui qui trie par couleur. Peter Pan. J'adore les illustrations, elles sont trop jolies. Voilà, fait clochette qui suit son pouce. Le prince. Ici, on a plutôt celui qui... Est des contes de fées et là, ben, plutôt celui de la vraie vie. Mais du coup, on a la princesse. Avec la, la princesse qui s'occupe des orphelins et ici, ben, plus la princesse euh, dans les convenances, comme on dit. La prostituée, ici. C'est bien fait parce qu'ici, on voit qu'elle vend son son image pour de l'argent, on dirait. La rebelle. On a la rebelle ici, hein, avec des cheveux de couleur, etc. Et ici, on a bah, le rebelle qui, lui, a choisi de vivre en herbite dans la forêt, dans, sa petite, dans son petit chalet en bois. Le rêveur. Le révolutionnaire. Voilà, deux sortes de révolutionnaires. Le saboteur, ici on a le marin avec cet hibou là, et là on a plutôt euh, un chevalier. Le sage, ici on a Bouddha. J'aime beaucoup moi les illustrations. Le sauveur, ici on a le saint Bernard avec l'idée hein, qu'il va sauver euh, dans les avalanches. Et là on a plutôt euh, l'idée euh, du maître-nageur. Non, même pas, parce qu'elle a une bouée, elle a le, le tonneau du, du Saint Bernard, elle tient l'oiseau pour l'aider, le petit chien, le sceptique, celui qui croit euh, en rien, qui dit, enfin celui qui croit euh, qui ne croit pas sans avoir vu, comme on dit, hein. le serviteur, ici, on voit qu'il est, est un esclave, hein, dans ce sens-là. Et ici, il est d'une personne plus âgée, on dirait. À monter le souverain le survivant ici on voit hein, c'est il, enfin, il a une jambe euh, il lui manque une jambe et il a fini la course tandis que là ben, il refuse d'accepter euh, sa prothèse hein. tandis que lui il est déjà nettement plus loin vu qu'il a déjà euh, il court il fait des courses malgré son handicap il l'a peut-être mieux accepté. La victime. Ici, on voit qu'il pleut, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Tandis que là, elle a l'air vraiment dépitée. Le visionnaire. Bon, finalement, je vous les montre presque toutes, mais il est tellement intéressant. Le jardinier. Donc ça, c'est une des cartes, un hein, joker. Et on retrouve le phénix. Et la fameuse archétype mystère. Voilà. Donc, on va en tirer une. Bon, on va faire euh, comme elle a dit. Hein, je vais faire un peu de place. On va, ben, je vais déjà faire comme ça, les retourner un peu. Et on va les mélanger ben, comme elle conseille de faire hein, un peu euh, dans tous les sens. Oh là, ça y est. On a déjà une qui saute. Ça commence. Je fais des bêtises. Et puis dans l'autre sens, un petit peu. Voilà. Histoire d'avoir euh, un peu euh, des en haut et des en bas. Bon, je vais quand même refaire un paquet maintenant. Là, c'est sûr qu'elles seront toutes mélangées. Hein. Youp, youp. Désolée pour le boucan. Voilà. Moi, du coup, zou. On va quand même les étaler, hein, comme ça, vous voyez. Voilà. Que ça s'étale bien et on va tirer celle-ci, du coup. Et on a, du coup, quand même le côté euh, bah, lumière avec le côté rêveur. Bon, je vais vous lire les deux. Hein. Comme ça, euh, vous verrez. Le message en ombre et en lumière. Oula, il s'échappe. Je vais les mettre bien parce qu'elles vont finir en bas de mon bureau. Voilà. Bon, donc elles sont numérotées. Ça, c'est chouette, du coup. Pour les retrouver dans le livre. Où est-ce qu'elle est, le rêveur Ici. Voilà. Donc, ben, le, côté, euh, le côté ombre, nous, on a. Oh, ben, c'est indiqué en plus. Ça, c'est bien fait. On voit bien que le côté ombre, c'est celui-ci. Voilà, c'est noté ici. Bon, nous, on a tiré le côté euh, lumière, mais je vais quand même vous lire le côté ombre parce qu'il oui, faut que vous voyez quand même les messages que ça donne. Souvent associé à l'innocence et à la douceur dans le monde de l'enfance, le rêveur dans le monde des adultes à mauvaise réputation et tend à donner une image fragile et vulnérable de quelqu'un d'inadapté au monde réel. Il sera souvent considéré comme vivant sur une autre planète ou toujours dans la Lune. C'est pas faux, hein? Donc, dans sa part d'ombre, il manque d'ancrage et est dépourvu du sens des réalités. Le rêveur n'a pas les pieds sur terre et vit dans son monde. Il se crée une image imaginaire où tout est toujours beau et tout le monde est gentil. Il fait souvent preuve d'une grande naïveté et il a besoin d'être amené dans la vraie vie. Il sera souvent profondément blessé par le manque de délicatesse, la grossièreté, la bassesse des expériences et rencontres et des rencontres difficiles, ce qui peut l'amener à se replier sur lui-même et à vivre dans son monde. Pour le côté je suis l'ombre du rêveur. La petite histoire du coup. Allez viens, je t'emmène à la rencontre de la lune, des étoiles et du soleil. Laissons-nous porter par le vent, partons loin dans notre monde aux confins de l'univers. Euh, loin, non, là, j'ai placé une page. Oui. Loin de la lourdeur et de la noirceur du quotidien. Je suis là pour t'aider à t'évader. Je crois que tu as besoin de ne pas faire face à tout ce qui se passe. Tu es trop fragile pour ça, trop sensible. Alors, je te protège à ma façon en t'emmenant à l'autre bout du monde ou sur une autre planète. N'hésite pas à te laisser aller dans mes bras au moins tu en es en sécurité et il ne peut rien t'arriver. Bon, c'est vrai qu'à vivre comme ça, loin de la réalité, il ne t'arrivera plus rien du tout, ni mauvais ni bon. Tu mets ta vie entre parenthèses et tu oublies tout. Perché sur ton nuage, tu observes les autres, vivre leur vie, mais toi tu ne vis pas la tienne. Tu as tellement peur de la vie, des gens, des expériences, que tu m'as laissé t'emporter loin à l'intérieur de toi-même. Il y a peu de chances que tu trouves la sortie tout seul à présent. Tu as toujours voulu t'épargner les souffrances car tu en as déjà trop vu déjà. Quand... Non, euh, je recommence. Tu as toujours voulu t'épargner les souffrances car tu en as trop vu déjà. Mais c'est une vraie vie que celle qu'on vit à côté de sa vie, sans participer. Et si tu acceptais de voir l'autre côté du miroir, que se passerait-il Allez, viens, pardonne le passé, tourne la page et laisse-moi t'aider à retourner vivre auprès des gens, suivre le mouvement, participer et exister. Tu garderas toujours, grâce à moi, cette capacité à t'évader. Mais tu pourras vivre tes rêves et ne plus rêver ta vie, car c'est bien là le plus important non. Alors, le rêveur dans sa part d'ombre nous coupe du monde et de la réalité. C'est une des formes les plus profondes de sabotage car on sabote ainsi sa vie sur tous les plans. Arrêtez de donner votre pouvoir au rêveur et vous y euh, aux rêveurs, en vous. Y utilisez cette énergie pour réaliser vos rêves. Comme dans la chanson, vous pourrez dire alors, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé. France Gall vient je t'emmène. Et du coup dans sa part de lumière, ça c'est ce qu'on a tiré du coup. Il sait profiter des moments de répit où l'on peut lâcher prise. Encore le lâcher prise qui revient. Positif et optimiste, il sait voir le bon côté des choses, ses événements et les gens. Très lié à l'enfant intérieur, il est capable d'imagination et sait qu'il y a une solution pour faire face à chaque problème. Il peut apporter de la paix et de la beauté dans la vie des gens car c'est surtout une personne douce et attachante qui sait voir plus loin que les apparences. Alors la petite histoire du ⁇ Je suis la lumière du rêveur ⁇ Je te donne le super pouvoir de voyager en toi de pouvoir parfois t'échapper de la réalité, monter plus haut pour prendre du recul, observer et revenir, plus tranquille et plus calme. Car tu as pu ainsi décharger la peur et comprendre ce qu'il se passe, sans te laisser emporter par les énergies ou les opinions des autres. Je te donne cette capacité incroyable de voir le bon côté des choses, de créer un espace en toi où le temps des possibles ouvre grand ses portes afin de te permettre d'aller y accueillir d'autres solutions. Je te donne cette ouverture dont beaucoup de gens manquent et qu'ils apprécient chez toi, celle de voir plus loin, de voir autrement. Certaines personnes pensent que tu vis dans la lune ou au pays de Oui Oui et des bisounours. Ah oui, ça on me l'a déjà dit, moi, tu crois, que tu crois aux bisounours, comme quoi Ils te jugent étourdi ou perché, mais ne comprennent pas que tu as une autre façon de fonctionner. Accueille pleinement ce pouvoir, celui de croire, de croire encore malgré tout, de la douceur et la joie, que la douceur et la joie existent partout, et qu'il suffit de le vouloir pour pouvoir le faire entrer dans nos vies. En dépit de tout ce que tu as vécu, tu y crois encore, grâce à moi. Je t'ai permis de garder ouverte cette fenêtre intérieure qui te permet de continuer à rêver et d'imaginer que d'autres solutions existent. Ne laisse jamais personne te prendre ce pouvoir, garde ouverte cette fenêtre en toi, Garde ouverte la porte du champ des possibles, ta réalité ressemble à ce qui est en toi. Si certains ont envie de vivre à travers la peur et la lutte, c'est leur choix. Toi, tu as fait depuis longtemps celui de l'espoir et de la foi. Malgré tout ce que tu as traversé, ne perds jamais ce grand pouvoir. Il est difficile de rester accroché à ses rêves lorsque l'on est adulte. On est tellement secoué et brassé par la vie et les autres que l'on peut avoir envie de les laisser filer. Mais vous avez réussi à garder cette faculté malgré tout, malgré les difficultés, les jugements, malgré la vie. Vous avez su garder l'essentiel, votre part d'enfant. Utilisez cette capacité pour réaliser le plus grand nombre possible de vos rêves. Voilà. Donc vous voyez que... Il est très riche en informations, du coup. Il y a beaucoup euh, bah de, de lectures dans le livre et il est très intéressant. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, hein, je vous l'ai dit au début, ce n'est pas un oracle de divination, c'est vraiment un jeu euh, de travail sur soi, de développement personnel euh, pour faire du shadow work, hein, du travail de l'ombre, de lumière sur les archétypes, etc. Voilà, Mais du coup, euh, dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, si ce jeu vous intéresse, si vous aimez les illustrations, euh, si vous avez celui-ci ou pas. Euh, et euh, je vais vous faire une petite vidéo, une très courte à tout à l'heure, parce que les éditions Très Daniel m'ont proposé de faire un concours et vous aurez l'occasion de gagner un exemplaire. Euh, du jeu ici sur YouTube et de sur mon compte Instagram. Mais je vous ferai une petite vidéo de 2-3 minutes hein, tout à l'heure à part euh, où vous pourrez laisser votre commentaire en disant que vous participez. Voilà. Donc ça, je suis trop contente euh, de pouvoir en plus vous gâter et vous faire gagner un exemplaire. Du coup, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette, si le message vous a parlé. Euh, bah, du coup, on sera resté à euh, long moment ensemble, mais c'est un jeu euh, bah, qu'il faut quand même expliquer pour comprendre le fonctionnement. Voilà, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de regarder tantôt si vous voulez participer au concours. Bisous, bisous